Alors, salut, j'espère que tu vas très très bien. De mon côté, ça va super bien. Dans cette vidéo, je veux juste te montrer comment cacher une conversation sur WhatsApp actuellement, comment le faire. Donc, une fois dans WhatsApp, comment tu vas procéder pour pouvoir cacher une conversation masquée pour que quelqu'un qui prend par hasard ton appareil et ouvre l'application WhatsApp ne puisse lire les conversations entre cette personne. Pour le faire, une fois dans WhatsApp, je viens au niveau de discussion. Au niveau de discussion, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Tu sélectionnes la personne, tu ouvres les conversations de la personne et tu regardes bien si c'est les conversations que tu veux cacher, c'est bien ceci. Maintenant, tu cliques sur le profil de la personne, tu cliques sur son profil, ça va t'amener à cette page. Bon, je vais dire option, ça va t'ouvrir cette option et tu verras jusqu'en bas ici, verrouiller la discussion. Au niveau de verrouiller la discussion, tu cliques dessus et ça va te demander, voulez-vous vraiment continuer pour masquer cette discussion? Et maintenant, si tu dis oui, ça va t'amener ceci qui est juste code pour pouvoir sécuriser la discussion. Maintenant, tu mets ton code et c'est fini. Tu verras que tout ce que tu as échangé avec la personne au niveau des discussions va disparaître complètement. Et pour pouvoir maintenant accéder, c'est là la question que tu te poses. Pour pouvoir accéder, il suffit juste de venir toujours au niveau de discussion. Lorsque tu ouvres l'application, tu viens au niveau de discussion, tu tires vers le bas, complètement vers le bas, les discussions. Tu verras en haut, discussion verrouillée. Et pour entrer dedans, tu cliques dessus, tu mets toujours ton code. Tu mets toujours ton code dedans. Tu mets toujours ton code et tu auras maintenant accès à la discussion. Tu pourras écrire et rester comme ça pendant tout le temps que tu veux. Mais donc, quand tu souhaites maintenant afficher les conversations échangées avec cette personne toujours dans la liste de discussion facilement, tu reviens toujours au niveau du profil de la personne et maintenant ce que tu avais verrouillé, tu vas déverrouiller. Et pour déverrouiller, ça va toujours te demander le code. Tu mets le code simplement et c'est fini, ça va s'afficher au niveau de la discussion simplement. Donc, vous n'avez plus besoin d'aller installer d'autres applications WhatsApp. Actuellement, fais la mise à jour de ton application et tu pourras utiliser ces options disponibles sur l'application WhatsApp pour pouvoir cacher une conversation WhatsApp. Merci et n'oublie pas de liker la vidéo. Ciao.